Je me suis rendu ce matin devant le commissariat de Sarcelles, puis rencontré des fonctionnaires de police qui ont subi une attaque il y a quelques jours. Sarcelles, c'est le symbole de ces corps constitués, de tous ces policiers, ces représentants de l'État qui sont de plus en plus pris à partie aujourd'hui dans un certain nombre de quartiers, attaqués, insultés. Le commissariat de Sarcelles a été attaqué au mortier il y a quelques jours pendant un peu plus d'une demi-heure par une trentaine d'individus. C'est aussi le symbole du laxisme en matière pénale. Le gouvernement peine aujourd'hui avant une réelle action de fermeté à l'égard notamment des mineurs qui sont de plus en plus concernés par ces phénomènes de bande. Donc 80% des faits ont lieu en Ile-de-France. Donc nous défendons la fermeté en matière pénale. Il faut responsabiliser les parents en retirant notamment les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes lorsqu'on sait qu'il y a une carence éducative. Il faut revenir sur l'ordonnance de 45 qui protège aujourd'hui en grande partie les mineurs d'une répression de la part de la justice. Et puis il faut être beaucoup plus ferme dans l'application des peines. Nous souhaitons que toute atteinte à l'intégrité physique soit sanctionnée. La moindre atteinte à l'intégrité physique soit sanctionnée par une mesure privative de liberté. C'est des mesures qui ont été expérimentées dans un certain nombre de pays, notamment d'Europe du Nord, avec des peines courtes, immédiates, fermes dès le premier délit et qui permettent notamment de limiter les cas de récidive.